Yo dávno si mismo slímali. Odávno. Ne. I nema šta da pričamo. A on rijan zdir. A vio kup. Na, na, na. A jedina stvar što bi ti mogla možda da mi kažeš kako to, ko je taj Renešar, je li ti to ljubavnik? Renešar se to na amoru. Da. No, c'est quelqu'un qui m'inspire, qui m'intéresse. Kako si ga upoznao? Comment tu l'as rencontré? Très honnêtement, à l'école. Je n'ai pas lu comme ça. Ah, il était à l'école avec toi? J'ai lu dans le livre à l'école. C'est ma prof qui nous a fait lire un poème. De Tog Renéchar. De ce Renéchar, oui, oui. Et après, ça t'a plu? Ça m'a plu. Parce qu'après, j'ai découvert qu'il était résistant. Et qu'est-ce que tu aimes chez lui? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? J'aime la force de ces images, très évocatrices. Ma primer, c'est-à-dire un exemple. Un exemple. L'été et notre vie étions d'un seul tenant. L'été et notre vie étions d'un seul tenant. L'été, c'est comme l'été. Oui, c'est comme l'été. Et notre vie. Notre vie. Comme notre vie. Étions d'une seule unité, d'une seule facture. Enfin. Et ça t'a plu? Oui. Volish l'été. J'aime l'été, oui. Volish. Ah, 42 à l'ombre. Bah, pas forcément un été trop chaud comme ça, mais un été lumineux, plus chaud, avec... les fleurs, le soleil, c'est beau. Donc oui. C'était le premier poème que tu as entendu de Charles. Oui. Tu as eu Pesma Koisi Chula de René Charles. Il parle d'une femme qui s'appelle Evadne. C'était sa muse. Evadne. Une muse. Les brosses. La campagne mangeait la couleur de ta jupe odorante, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est très... c'est évocateur. Bien.